Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour de la Ligue européenne. J'ai pas joué pendant cette journée de compétition. C'était Tito, Gofflet et Glorious pour les francophones qui ont participé à cette compète. Évidemment, on va regarder la review, pas la rediffusion du cast de VK et Shezu. Donc, je vous invite aussi à aller le regarder si c'est pas déjà fait, pour avoir différents points de vue, hein. Mais bon, après, c'est pas les mêmes commentaires quand t'es caster et ce que je fais, on va dire. Pas exactement la même façon de commenter. En termes de participants, il y avait qui ce jour-ci? Est-ce qu'on peut voir un bracket? Ça, c'est ceux de... Non, là, ils expliquent comment justement le bracket fonctionne. Voilà, on a nos 9 matchs de la journée. Donc en participant, on a Glorious, Raxaz, Nicer Smicer, Sambicep, Tito, Pafix et c'est tout. Non, il y en a un que j'oublie. Non, voilà, c'est les 6. C'est les 6. Donc bah, nous, évidemment, on va essayer d'encourager Tito et Glorious, même si évidemment bah, tous les autres joueurs sont des personnes très sympathiques et qui ont évidemment toutes leurs chances de gagner. Si je devais donner des favoris pour cette journée de la Ligue européenne, je pense quand même que Raxaz est un peu au-dessus du reste. Je dirais ensuite que Pafix Tito sont à peu près derrière à égalité. Sambicep, puis pour les un peu moins forts, enfin un peu moins forts, juste en termes de compte, tu vois. Nicer Smicer. Et. Ouais, après non. Je dis ça, mais Glorious, il est vraiment au niveau de Sambicep. Non, bon, on va regarder. Je pense qu'il y a Raxaz en favori. Tito pas fixe, puis après le reste c'est assez even. On va avancer du coup et regarder directement le premier match, Glorious contre Raxaz. Alors Glorious, il est connu pour jouer beaucoup de clips CC avec DLD. Raxaz, il joue beaucoup de clips CC avec moins d'LD. Il a que QD. QD, Bella et Valantis, là où Glorious il y en a quand même un petit peu plus. Ça préban Umunsa, ça préban Eshir, donc tu vois, ils ont compris que ça allait être un match de cliff CC, les deux préban un contest outspeed. Glorious qui fait son opening classique Shiwu Tianlang, et Raxaz qui prend directement QD Chongpong. Alors Glorious il prend Cassandra Dark et Adriana. Je suis pas sûr de comprendre la Adriana. Peut-être que c'est une Adriana Swift et il se dit comme ça, Raxaz va pas réussir à strip avec son Moor. Et il prend directement Oliver alors qu'il a déjà un Tianlang. Je trouve ça un peu wonky comme début de draft. Genre. Bah son Tianlang va nerf de fou son Oliver. Sa draft elle est un peu vide là à Glorious, non? En fait, c'est le genre de draft, j'ai l'impression que ça marchait beaucoup avant le nerf de Tianlang. Parce que t'avais quand même les dégâts pour tuer rapidement. Mais maintenant qu'il y a le nerf de Tianlang, je pense pas que tu puisses te permettre d'abuse ce genre de truc. Il prend un Triton. Et je vais pas te mentir, la draft. La draft est vide là. Hein. La draft est un peu vide. Le Valantis pour pouvoir avoir un strip sur tous les debuffs. Donc il a prévu de laisser la Adriana. Qu'est-ce qu'il banne là? Il banne Oliver, il banne Triton, il banne Tianlang. C'est assez tricky. Côté Glorious, j'imagine que tu bannes un des strippers. Genre Chongpong ou Valantis, vu que t'as la Adriana. Ouais, donc il banne le Valantis, d'autre côté ça banne le Oliver. Maintenant la question c'est, évidemment Glorious va avoir le premier tour avec sa draft. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il a suffisamment de choses dans sa draft pour empêcher Raxaz de jouer quoi? Parce qu'encore s'il avait un Wunsa qui jouait avant son Triton, comme ça il pouvait directement faire S2 Triton à l'open, je veux bien. Mais là c'est le Triton qui joue en premier, donc s'il a pas full stun, bah là il va mettre S2, increase cooldown le Triton et c'est fini. C'est fini. Il fait le S2 quand même, enfin le S3. En fait là il doit juste essayer de gagner le plus de tempo possible, S2. Non il fait S3 quand même, ok. Il se dit que s'il réussit un CC sur deux, il est quand même pas mal. Et là il va sur qui? Sur Adriana j'imagine. Oh le stun est assez clutch. Mais bon, fallait bien qu'il ait un truc au bout d'un moment. Là il fait quoi? Il tente... Non tu réveilles pas, hein. Tu fais juste un S1 sur Adriana. Ouais, il l'a vu. Il va juste aller tuer l'Adriana, il a raison. Il tente un S1 sur Triton ou pas? Ok, il tente un sort 2. Je pense que c'est une erreur. Heureusement, il a eu un proc. Pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, en fait, c'était pas si grave de se prendre le silence si derrière tu tuais directement la Adriana. Parce que là, au final, il réveille le Tianlong, donc il se fout juste dans la merde.
Le Shiwu, il avait déjà fait son sort 3, sort 2. Je sais pas. Moi, je t'avoue qu'à sa place, j'aurais pas pris le risque de faire un sort 2. J'aurais juste. À la limite, ce que tu pouvais tenter, c'était sort 1 sur Triton. Tenter un Lucky Stun malgré le Glancing. Parce que dans tous les cas, bah, une fois que la Adriana est morte, le Psamat va pouvoir clean up, quoi. Tous les mobs sont low HP. Donc, Psamat clean up sur un. Sur un sort 3, hein. Enfin, sur un revive du passif. Qu'est-ce qu'il peut faire là maintenant? J'imagine qu'il a envie d'aller attendrir un petit peu le Triton. Non, même pas, il va la site le Tianlang. Il se dit que le Mur est pas encore mort et qu'il va peut-être manquer de dégâts pour gérer le Mur à ce stade-là. Il a le temps de faire le sort 2. Il y a un Lucky Slip sur élément opposé, mais je pense pas que ça va être suffisant. Il y a encore le passif de Psamat, il récupère le sort 3. Ouais, non, c'est fini. C'était honnêtement. La draft de Glorious était un peu vide quoi. Genre. Mais en fait, le truc, c'est que ce genre de draft, avant le nerf de Tianlong, ça passait. Mais c'est parce que Tianlong était sulfuro-broken, tu vois. Quand t'as une draft comme ça, t'es pas censé avoir les dégâts pour passer le mec en face, surtout s'il a les runes de Rak'Saz. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça préban ce coup-ci? Préban Tianlong, préban Chongpong, ok. Est-ce que Glorious va refaire speak son Shiwu? Non, ce coup-ci, il prend le Mur de Rak'Saz. Apparemment, le Mur de Rak'Saz qui est en Swift. Hein. Il joue Mur Swift. Il y a beaucoup de gens hein, qui font ça. Bon, c'est surtout une tech de compte avec des grosses runes. En gros, tu fous ton Mur en Swift. Comme ça, tes CC derrière qui sont en vieux ou en Despair, bah, tu peux mettre tes meilleurs sets dessus, les mettre à plus 190, plus 200. Et comme ça, bah, tu gagnes la plupart de tes speed contests quoi, contre les mecs qui prennent pas. Qui prennent pas trop de mobs en Swift. Et là, il prend direct Mur plus Shiwu, donc double lead 24, double stripper AOE. Mais la draft, enfin, il n'y a pas de hard contested shot speed là. Donc Rak'Saz, il peut répondre par un petit Sagar peut-être. Ça fit assez bien dans ce genre de gameplay. Il prend le Egang également parce qu'il voit que bah, les 3 premiers picks de Glorious, il n'y a pas de sustain, il n'y a pas trop de dégâts. Donc Egang est très très fort contre ça. Il prend son Moonsa et il prend son Triton. Et encore une fois, il y a 4 strippers à eux, c'est pas bon du tout. Hein. La draft est vide. La draft est vide. Il va juste ban Shan, prendre un truc Bruiser et c'est gagné, genre. Là, en vrai, il peut prendre tellement de trucs, genre Rylai, ça passe. Enfin, n'importe quel sustain, ça passe. Rylai, Juno. Faire des triple revenge. Bon, Rylai, c'est le plus safe, je pense. Juste parce que comme ça, bah, il a plein de stacks en plus avec ce truc-là. Et il a de la sustain à OE. Et il s'en fout un peu des silences du Triton. Smicer, c'est évidemment très très fort aussi. Juste, il y a un peu moins de sustain, un peu plus de CC par rapport à une Rylai, mais c'est très très bon également. Voilà, il ban Shan. Hein. Là, je veux dire, la draft de Glorious, c'est juste pas bonne, honnêtement. Et il ban pas Shan. What? Mais en fait, là, tu vois, le ban de Rak'Saz, il est pas bon. Il est pas bon parce que soit. T'as lead 33 plus Eshir. Lead 33 Eshir, je suis désolé, mais normalement t'es censé outspeed lead 24 Wunsa, même si Wunsa a 3 de speed de plus que Eshir. T'as un lead 33 contre lead 24, t'es censé avoir un avantage genre de 6 de speed. Et clairement, Rak'Saz, vu les runes de dégénéré qu'il a, je pense pas qu'il a. Enfin, je pense pas qu'il se fasse outspeed dans ce scénario-là, tu vois. Sachant qu'il a probablement mis son meilleur set sur Eshir. Non, en vrai. Moi j'aurais juste ban le Shan là, je t'avoue. Parce que soit il ban Vanessa ou Eshir, il prend le premier tour, mais du coup bah, il se fait rebound super fort par Smicer. Soit il prend pas le premier tour et il se fait outspeed, tu vois. That ban was awful, awful. Yeah, that's why I'm saying in French. It was a bad ban. But still. If you outspeed him, you win. But it was not the safest ban, I think. Bon, il outspeed avec son Eshir, normal, lit 33 Eshir. Là, à moins qu'il strip stun le Sagar, je t'avoue que ça paraît quand même compliqué de la perdre. Il le fait pas, et puis de toute façon il pouvait pas, il y avait Egang, il reset le Shan et il a gagné. Bon, c'était juste un outdraft, parce qu'au final, Glory avait une draft très contest outspeed, tout en ne prenant pas le premier tour parce que bah, il n'y avait pas assez de lead, en fait, c'était du lead 24. Hein. Ouais. En fait, le truc c'est que il a l'habitude de beaucoup beaucoup jouer son Shiwu
en ladder normal, parce que Shiwu ça marche super bien quand t'as Tianlang. Quand t'as pas Tianlang, c'est tout de suite un petit peu plus creux comme monstre. Donc, ouais. On va dire que c'est les habitudes de draft du ladder quoi, qui sont compliquées, hein. Shan ban, I win for free. Yeah. I had 6 years of French, like 50% maybe. Ok, so. Du coup, tu comprends la plupart des choses que je dis. Donc, Rakdos fait 2-0 contre Glorious. Je vais pas te mentir, la draft de Rakdos était correcte. C'est surtout la draft de Glorious qui était pas bonne là. Mais on va voir comment il va se rattraper sur ses prochains matchs. Match-up suivant. On a Nicer Smicer contre Sam Bicep. Donc les deux, tu vois là le roster est quand même assez stack. Hein. Avant ça, il y avait Glorious qui avait été top 20 et quelques. Rak'Sas top 3 ou top 4. Là, il y a Nicer Smicer contre Sam Bicep top 22, top 38. C'est quand même des gros records sur Europe. C'est assez dur de se qualifier OSWC. Préban Maximilian, Préban Eleanoa. Donc pour ceux qui connaissent pas, Nicer Smicer, c'est le joueur de Bruiser originel. Les années précédentes, quand je l'ai affronté au SWC, il avait tous ses mobs brunés à plus 150, plus 160 de speed. D'accord? Donc très lent. Enfin, très lent. Non, comparé à l'hiver, c'est rapide. Mais comparé à la moyenne G3, il est lent. Et il aime bien runer ses mobs très efficients. Et il joue très T2, très mob à passif. De l'autre côté, Sam Bicep, c'est l'opposé. Il joue très Eclipse CC. Il a plein de bons LD pour jouer Eclipse CC. Il y a du Maximilian, du Tianlang, de la Wedjat, Neftis, Xiana. Je crois qu'il y en a d'autres que j'oublie, mais en gros, il a un compte premium pour jouer Eclipse CC. Et pour le coup, c'est un OTP Eclipse CC. Donc on va voir un petit peu là cet affrontement de style. Le mob Vioblade est OP. Donc first pick, Chandra, il prend directement Mei Wang en réponse à Neftis. What? Je suis pas giga sûr de ça, de cette info là. Mei Wang anti-Neftis. Ok, bon. Veromos, ça déjà c'est plus compréhensible contre Neftis, mais ça veut dire qu'il veut vraiment laisser Neftis. Yennefer, Tomoe, ouais, pour contrôle ATB, c'est bien Tomoe hein, pour contrôle ATB là. Comme ça, il peut spread l'Oblivion de la Yennefer et tout. Il sort un Gru. Alors, Gru, moi j'ai vu ça jouer uniquement avec des Laura et des Wedjat. Je pense que sans Laura, sans Wedjat, c'est très copium. Et il sort un Valantis. Ok, bof. Ouais, bah Valantis, c'est. Après, ça veut dire qu'il veut banner gang là, donc il peut juste l'aspic un robot vent ou n'importe quoi et il est bien. En fait, le problème c'est qu'il a un dead pick. Gru il sert à rien là. Gru sert à rien et Mei Wang sert pas à grand chose. Mais il a préféré prendre un Mei Wang qu'une Juno, je comprends pas. Là, il va se faire rouler dessus là. Bah, il a sorti le for fun pick. Bah, ça va ban probablement Valantis ou Veromos, hein. Un des deux, ça bannit Yennefer, ok, parce que c'est l'Oblivion. Et la question c'est, est-ce que Sam Bicep va avoir assez de dégâts pour gérer le Veromos? Je suis pas giga fan de la Layla, pour moi un robot aurait été 100 fois mieux pour avoir du contrôle ATB. Et l'option de pas forcément ban et gang, enfin le dernier mob là qu'il a ban. Alors il contrôle ATB là-dessus, ok. Il doit aller directement sur Veromos, il n'y a pas le choix. Hein. Est-ce qu'il a les dégâts pour gérer ce Veromos? Tu dois S2, S1. Hein. Ah ouais? Ah moi j'aurais tout mis dans le Veromos. Après il se dit il y a un stun, donc il pourra pas reprendre suffisamment. Enfin il pourra pas, tu sais, reprendre de l'ATB et cleanse toute sa team en boucle. Vu que ça marche pas quand il est stun. Il reprend pas l'ATB quand il est stun. J'avoue, je mettrais plus de coups là sur le. Ouais, sur le Veromos. Hein. Il a déjà récupéré son sort 2. Sa lab de zinzin. Tu mets encore un coup sur le Vero là, hein. Faut tuer le Vero le plus vite possible. Et bah, comme je t'ai dit, hein, Mei Wang et Gru ils servent absolument à rien contre ce genre de compo. Hein. Ah, Mei Wang contre Neftis c'est giga copium. Hein. Non. Non, c'est nul. Bah, ça c'est nul. Mais ouais, je sais pas. En fait, Nicer Smicer en ladder,
Il joue vraiment beaucoup beaucoup son Poney Light. Et donc là, comme il y avait le Poney Light qui a été pré-ban, je sais pas, genre il n'avait pas prévu un plan B contre de la Clip CC sans le Poney Light. Ouais. Pas fou, pas fou, pas fou. Pourquoi Gru? Je sais pas, gros, il aime trop le content. En fait, Gru avec Laura, c'est vachement bien. Enfin, c'est un bruiser décent, tu vois. Mais sans Laura, sans mob qui donne de buff dans ta compo et tout, il n'y a aucun intérêt de jouer Gru. Parce qu'en gros, Gru, il gagne de la TB, il gagne de la move speed et de la def dès qu'il y a des buffs sur sa team. Dès qu'on pose des buffs sur sa team. Donc c'est pas mal avec des buffers, tu vois. Mais là, il n'y avait aucun buffer côté Nicer Smicer, donc il n'y avait pas d'intérêt de jouer ça. Pré-ban Valentis, pré-ban et gang, intéressant. Donc là, ce coup-ci, il va avoir accès à son combo Chandra plus Eleanor, full passif. Sauf que de l'autre côté, Sam Bicep, il va sortir un Nefti Tian Lang. Donc s'il arrive à mettre ses CC, ça va être colère. Mei Wang, encore une fois, je comprends pas trop le Mei Wang. Hein. Veromo, ça c'est pas mal. Mais Mei Wang, je suis pas sûr. Et il sort un Robo Dark Xiana. Ok. Alors, avoir son speed tune, mais logiquement, s'il arrive à poser les breakdefs avec la Neftis, il devrait quand même pouvoir bien lui casser le gueule. Smicer sert à rien. Hein. Smicer sert vraiment à rien là. Pour moi, tu bannes juste Veromos, t'as gagné. Tu bannes Veromos ou le Poney Light. Mais je dirais peut-être. Ouais. Après, Poney Light, c'est chiant aussi avec les Glancing et tout. Peut-être Poney Light, ouais. Gros, le Smicer est vraiment copium. Hein. Il sert pas à grand-chose. Donc, il banne la Xiana. Peut-être que le Veromos va être tricky. Juste scanner le QR code en bas de ton stream nous fait passer par ton lien. Normalement, oui, Artamex. Normalement, oui. Donc, il a outspeed. Ah, résistance sur le Chandra, c'est unlucky. Hein. Il y avait un seul truc à stripper, il a pas strip. C'est vraiment unlucky. Derrière le. Ah, oh, il break def pas, c'est vraiment unlucky. Triple résistance, c'est vraiment unlucky. Bon, bah, du coup, Nicer Smicer, vu qu'il a Luxac, il peut peut-être la gagner. C'est quoi, tu fais direct S3? Ou tu mets quand même un. Le shield sert pas à grand-chose, si? Ah, il se dit quand même qu'il a une chance de plus de revenge le robot. Faut qu'il aille full sur Veromos. L'avantage, c'est comme il y a un Tianlang, Veromos et il y a de l'anti-heal, Veromos va pas pouvoir trop embêter avec son kit. Il arrive pas à stun. Est-ce qu'il stun avec le Glancing? Il doit le tenter. Il en a 2 sur. Oh, il en a 2 sur 4. Vas-y, c'est disgusting. Ah, c'est vraiment disgusting. S2, est-ce qu'il arrive à stun aussi? Il le tente même pas? Ok. Bah ouais, pour l'instant, Nacer Smicer, Luxac, hein. Y a pas d'autre mot. Il a eu genre 3 résists ou 4 résists à l'open. 2 stuns stun sur un Veromos Glancing. Ah, mais c'est fini là, il comeback. Hein. Ouais, c'est fini. Il proc encore. Ok. Bon. Bah écoute, pas grand chose à dire. La draft de Nacer Smicer était pas bonne. Il a juste eu de la chance. Voilà. Donc 1-1 pour Nacer Smicer contre Sam Bicep. C'est assez préoccupant quand même de voir que Nicer Smicer arrive pas à gérer des clips CC. Pourtant, il est top G3, il doit en taper littéralement tout le temps des clips CC. Mais je pense que le combo Chandra plus Eleanor, ça doit suffire en vrai pour du ladder. Comme quoi, le perso est très sous-estimé. Hein. Parce que si le mec arrive à être top G3 en jouant comme ça contre les anti-cleaves, enfin, contre les clips CC. Eleanor doit être vachement forte. On enchaîne match suivant. Tito Gauflette contre Pafix. Pré-ban Julian, pré-ban Nikki évidemment. First pick le Chandra. Pafix il fait un early cliff CC, mais du coup bah, Tito il prend directement le combo Chandra Sekhmet. Comme ça il a un hard contest hot speed. Et Pafix il n'est pas vraiment connu pour ses cliff CC de zinzin. Enfin, on sait que Pafix il aime beaucoup jouer Sekhmet en contest hot speed en ce moment. Et jouer justement du Chandra Sekhmet. Est-ce qu'il a runé un Ishir ou un autre contest hot speed pour le premier tour? Ah, il sort le Tianlang. Ah, j'avoue, j'ai pas trop compris le ragdoll côté Tito Gauflette. Alors qu'on sait que Pafix a Tianlang. J'ai pas trop compris. Bah là, pour moi, la transit Pafix est bonne. Tianlang plus Ryle. Il prend le Smicer, ok. Janna.
Janna est pas mal, parce qu'il n'y a pas de mob en Swift côté pas fixe. Ah ouais, hein, là le Veromoth c'est big. Hein. Après, Veromoth il a Tianlang donc il se le nerf un peu. Mais Veromoth contre Smicer c'est très très fort. Et j'imagine que c'est un truc du style Ban Janna quoi. Je pense que c'est du Ban Janna, il a pas le choix. Ouais. Ban Janna, Ban Veromoth, ok. Alors l'avantage c'est que Tito va pouvoir reset le Sagar. Une fois qu'il a reset le Sagar, il n'y a pas beaucoup de CC en face. Mais je sais pas, la Rayleigh me fait un peu peur. Après il se dit qu'il n'y a peut-être pas assez de dégâts. Ok, résistance sur la Sekhmet, c'est pas de chance. Clairement pas de chance. Il hug pas. Ok. Donc il arrive à stun une personne avec Tianlang. Là, il doit aller mettre la bombe sur Tianlang, non? Essayer de le CC. Ok, double résistance, ça commence très très mal pour Tito. Il a vraiment pas eu de chance là sur sa draft. Le petit Smicer qui revenge, qui met des heals, ça faut faire attention, mais ça peut donner beaucoup de tempo. Là, c'est une erreur de focus de Smicer, hein. C'est une grosse 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 erreur. Bah ouais. T'as vu que le Smicer, il a revenge juste avant, faut pas aller taper le mob qui peut heal. Là, il vient de lui donner 2 tours de revenge de sorin gratuitement. Hein. C'est une erreur. Il aurait dû direct aller sur la Sekhmet ou sur le Chandra. Ouais, nice proc. Ok, donc là, il a enfin son break debuff qui pop. Il arrive à reset le Sagar, intéressant. Là, il doit tout mettre. Ok, le petit CC du Smicer qui est très relou. Il va taunt le Chandra. Faut qu'il heal, non? Ok, il heal avec sort 1. Nice strip stun sur la Sekhmet. Pour l'instant, il fait le taf, ce Tianlang. Il récupère la bombe avec le Smicer. Il stun la Rayleigh. Et là, normalement, il est pas mal. Parce qu'il va pouvoir réussir à mettre un sort 2 sur sa Sekhmet. Il survit, pixel HP. Sa Sekhmet se transforme en F10, il met tous les debuffs, et alors là, normalement, Ragdoll Chandra, ça va commencer à être chiant. Sachant que je crois qu'il a encore son sort 3 sur Chandra. Ouais, là il va mettre des gros gros dégâts. Ah, il fait même pas le sort 2, il veut vraiment cycler. Est-ce qu'il tue là, avec Break Attack, genre il tue le Mort? Waouh, il a juste assez de dégâts pour tuer le Mort. Il proc Vio, il tue le Sagar, et là c'est retournement complet de game. Ok. Bah tu sais, j'étais dubitatif du Ragdoll, mais au final, en fait, la transition de pas fixe, elle suffisait pas parce que avec First Pick, Moor, et en plus son Moor, il a pas mis de Desper Stun ou quoi, peut-être que c'est aussi un Moor en Swift, hein, vu qu'il a Tianlang. Genre, la Transi Bruiser avec un First Pick Moor plus Sagar, il avait juste pas assez de dégâts, en fait, pour gérer Tito. Intéressant, ça, comme data. Intéressant. Parce que tu vois, pour moi... La deuxième rota de pas fixe, elle était pas mal. Mais. En fait, avec Moor Swift plus Sagar, t'as juste pas assez de CC. Il a tanké comme un chef. Non, mais. Carré. Carré, carré. Et honnêtement, pour moi, pas fixe qui va taper 2 fois d'affilée le pas fixe. 2 fois d'affilée le Smicer de Tito, alors qu'il sait que le Smicer est en revenge. Il a proc revenge premier tour. Pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que Smicer, c'était la seule sustain dans la team de Tito. Et ça lui a donné beaucoup, beaucoup de tempo, cette double revenge. Pré-ban Tianlang, pré-ban Janna ce coup-ci. Donc Tito va avoir accès à sa Nikki. Et Pafix va avoir accès à sa Sekhprout. Qu'est-ce qui pique, Tito? Diana, deuxième rotation. Ok. En gros, il voulait prendre, j'imagine, un bruiser très tanky qui puisse survivre à un break debuff de Julianne. Sachant qu'en plus, Diana prend beaucoup d'ATB contre un Chandra avec le sort 3, les revenge et tout. Donc il prend sa Nikki, évidemment. Est-ce qu'il prend un contest hot speed là? Non, il prend un Kinky qui peut pas se faire focus facilement par Julianne et qui synergise bien avec. Le S3 de Nikki. Kovarsi, ok. Et il reprend le Smicer encore en last. Smicer est pas horrible. Il tape tellement fort le Ragdoll de Tito. Ouais, il est super bien runé. Hein. Il est super bien runé. Alors, il a pris le Smicer. Il a speak un Sagar.
Ok. Il se dit qu'il a déjà assez de bruiseurs. Il a une petite sustain. Mais du coup, dans ce cas-là, il a probablement envie de ban Kovarsi, non? Kovarsi fait un peu chier. Sekhmet fait un peu chier. Je pense que c'est soit Kovarsi, soit Sekhmet. Ok. Et là, je sais qu'il y a quelques gens, quelques personnes qui pourraient se dire que ban Julian, t'as pas de dégâts. Mais en vrai, c'est pas vraiment vrai. T'as le break debuff AoE, le buff attaque. T'as ce truc-là qui scale HP, qui fait quand même pas mal de dégâts. Et surtout, t'as ce truc-là. En fait, les gars, je sais que Smicer, on se concentre juste sur son passif. En mode, il met des petits CC de tour et il sustain sur Sorin. Mais en fait, la bombe, elle a quasiment le ratio, le coefficient de damage d'une Syrah. C'est 400 et quelques. Et 400 et quelques pour une bombe, c'est énorme. Genre, avec buff attaque, s'il a un petit plus 1000 d'attaque, tu vois, ce qui est pas énorme pour même pour un build en speed HP-HP, bah avec un petit plus 1000 d'attaque et déserté dégâts des bombes, sur un buff attaque, tu mets très très facilement du 30k à l'open. Donc, je pense pour moi que s'il voulait absolument réduire les dégâts, fallait ban Kovarsi. Parce que Kovarsi, il y a l'Imu qui est relou pour les breakdev du Kinky, pour le contrôle du Sagar et tout. Je pense que c'est soit Kovarsi, soit Sekhmet le ban. Soit tu bannes le breakdev AoE, soit tu bannes le buff attaque. Mais je me dis, comme Smicer, il bénéficie pas du breakdev dans son dégât par rapport à Julian, alors que Kovarsi ça augmente les dégâts et de son Smicer et de son Julian, peut-être plus intéressant de ban le Kovarsi. Donc il se fait outspeed, il se fait reset, ok. Il doit aller CC. Il tente le Chandra ou le Smicer? Ok, le Smicer. Du coup, ça va aller probablement shield le Smicer avec le Chandra. Mais il peut passer au travers avec la Diana, donc ça me paraît correct. Ok, il a tenté le taunt sur la Sekhprout. Why not? Qu'est-ce qu'il va tenter de stun? Le Sagar. Ok, bah le Sagar était pas en wheel, hein. C'était un build. Très tanky avec Sandraise, j'imagine. Peut-être un vieux Revenge. Il arrive à sortir sans proc le Smicer. Là, il n'y a plus de sustain. En vrai, ça va être compliqué côté Pafix pour gérer ce vilain Kinky, hein. Parce que là, Kinky, c'est pas la target principale, mais il va faire chier. Il va faire chier. Qu'est-ce qu'il tente de taunt? Le Chandra, hein, vu qu'il a le Glancing, il a aucune chance de taunt la Sekhmet là, vu qu'il y a élément opposé plus Glancing. Et là, en vrai, c'est probablement une Diana très très tanky. Ça veut dire que Pafix va pas pouvoir le sortir très rapidement. Oh, le Kinky sur un proc Vio qu'il a envoyé sur Saturne. Ça, c'est un Kinky bien offensif comme on l'aime. Bien rapide, avec beaucoup d'attaques. Bon, honnêtement, c'est comme ça que je préfère les Kinky actuellement, hein, depuis le nerf. Ça sert plus à rien de les runer lent et bruiser. Le perso a plus vraiment de potentiel de solo. Par contre, il a toujours le potentiel de. Je tape super fort sur un proc Vio et surtout les adversaires n'ont pas envie de me focus vu que j'ai le passif d'anti-crit quoi. Il a mis le Chandra assez low, il va la site le Julian et c'est gagné. En vrai, carré la game de Tito, hein, carré. Il a pris du gros knocker mono-cible bien tanky. Bon, c'est pas Julian mais Diana, j'ai envie de dire en élémentaire, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Il a pris. Le Kinky qui était dur à focus pour Julian. Et voilà. C'est une bonne idée. En fait, là, l'avantage de prendre Kinky par rapport à Camille, c'est qu'il a. Il augmente sa quantité de défense break. Et tu vois, là, bah, il a setup le break def à l'open avec la Vanessa. La Diana a pris un tour avec le skill 3 de Chandra. Elle a instantanément cleanse. Enfin, pas cleanse mais strip le hug et puis il a pu l'acide quoi, c'était bien goupillé tout ça. Pourquoi Tito a pas pick Chakra? Bah parce que il voulait plutôt du strip mono cible, je pense qu'il s'est dit qu'il avait pas besoin de strip AoE. Et là pour le coup la Diana était pas mauvaise parce que Diana bah, sur un break def tu tues à peu de choses près n'importe quoi. Ok, petit break, donc Tito qui commence en 2-0, c'est très très bon ça pour ses affaires. On va avancer un petit peu évidemment, voir ce que donne le deuxième round. Et on enchaîne sur Glorious contre Sam Bicep. Donc là clairement, les deux joueurs jouent full clip CC. Ça va probablement se contester le premier tour
comme pas possible. On va voir un petit peu comment ça se traduit au niveau des pré-bans. Ah, probablement des pré-bans, des Tianlang, des Wunsa. Je crois qu'ils ont tous les deux justement Tianlang et Wunsa. Donc pré-ban Tianlang côté Sam Bicep et pré-ban Neftis côté Glorious. Ok, il a pas tort. Il pré-ban un lead. Bon, le problème c'est que Sam Bicep il a aussi Maximilian. Donc je suis pas sûr que ça soit très 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 game changer. First pick Moor, ça prend immédiatement le Eshir vu que le Tianlang a été pré-ban. Donc Eshir CP. Glorious va probablement prendre son Shiwu, hein. Il aime trop faire Moor Shiwu deux premières rotations. Shiwu donc plus Zen, ok. Ça sort Egang contre Shiwu, c'est pas un mauvais pick. Là il peut prendre genre un lead speed, genre Oliver, ou il se dit qu'il vaut mieux prendre un CC et on prend le lead speed pour la fin. Peut-être un Okeanos du coup. Ok, Maximilian, bah ouais, je suis con. Il a l'option d'avoir lead speed plus CCAO. Donc ça marche bien. Et là pour moi, le dernier truc à faire côté Sam Bicep, c'est prendre un petit anti-Wunsa. Anti-Wunsa, tu prends un Bearing, triple Nemesis ou double Nemesis Wheel super rapide. Et je pense que t'es pas mal, tu bannes Sonia. Et dans tous les cas, bah, si t'es en full wheel, soit il outspeed avec Shiwu, tu counter, soit il outspeed avec Wunsa. Et il choisit de last pick une Rika. Bah, c'est de la merde. Okay. Pourquoi Rika? À la limite, si tu veux un mob qui solo, prends. Je sais pas, gros, prends une Juno, prends une sustain AoE, une Rylai, un Veromoth pour enlever le silence, peut-être. J'aime pas du tout son last pick. Mais alors, pas du tout. Bah, ici, outspeed. Et comme il a un dead pick dans sa compo, bah, il va perdre. Y a rien de spécial à dire. La Rika a été catastrophique. Ok. Bah, dans ce genre de situation, soit tu prends un truc qui counter le Wunsa si tu sais que tu le laisses, soit tu prends un truc qui a un potentiel de solo, tu vois, ou qui emmerde son. Ça CC. Tu peux prendre une Lucia, tu peux prendre Veromoth. Même un Léo à la limite pour l'empêcher de te cycler avec Eshir plus Rein. Mais en tout cas, tu prends certainement pas une Rika. Certainement pas. Pré-ban Moor, pré-ban Shiwu ce coup-ci. Ok. Glorious qui prend Kiara. Alors, Kiara, je suis pas giga fan dans un contest de Cliff CC. Je suis pas giga fan parce que Kiara, c'est lead speed 21. Et c'est surtout fort contre le Bruiser, pas contre la Cliff CC à mon sens, mais why not? Donc qu'est-ce que prend Sam Bicep? Est-ce qu'il prend directement le Tianlang? Ok, il prend Wedjet plus Triton. Pas mal, donc Contest Hotpit, double lead speed. Glorious qui reprend à nouveau son Wunsa. On a vu qu'il était très rapide sur son Wunsa. Son Wunsa outspeed le Eshir de Sam Bicep. C'est une info importante à prendre en compte. Il sort un robot. C'est probablement un robot triple Nemesis, hein, sinon il n'y a pas de grand intérêt. Et il prend Xiana. Je vois pas trop l'intérêt d'une Xiana non plus. J'aurais pris un lead 33, moi j'aurais pris potentiellement un Psamath. Parce qu'en fait, soit t'as outspeed avec Triton et t'as déjà 2 CC, plus du cycling, et en vrai ça devrait suffire à te faire gagner. Tu vois? En fait, ça c'est un CC de trop, ça sert à rien. Là, ce qui peut le faire gagner, c'est d'avoir un contest outspeed contre ça, tu vois. Comme ça, il aurait pu potentiellement ban ce truc-là. Mais ouais. Je suis pas giga fan. Pour moi, en fait, la draft de Glorious est tellement orientée T1, t'as pas besoin de plus de CC, tu vois. T'as besoin, par contre, d'assurer le T1. Et t'as gagné. Donc peut-être limite un Thomas, hein. Comment il s'appelle Ginger Brave, le cookie téméraire, pour être sûr d'outspeed ce vilain Wunsa. Ben voilà, parce que là au final il est obligé, tu vois, il s'en est rendu compte après, trop tard. Mais en fait là, tu vois, vu qu'il a pris Xiana, il se dit, bah, si jamais Glorious ban mon robot, il a lead 33 plus Wunsa, donc j'ai perdu. Donc au final, il se retrouve dans un scénario où il prend un robot anti-Wunsa, mais comme il n'a pas fait un bon last pick, il est obligé de ban le Wunsa. Donc ça marche pas. Ça marche pas.
À la limite, tu prends carrément deux counters à Moonsa, tu vois, tu prends deux mobs en triple Nemesis Wheel, en triple Nemesis ou double Nemesis Wheel, et tu laisses le Moonsa. C'est une connerie, parce que du coup, bah, il est pas speed tune, quoi. Il a outspeed, mais le robot, il est en triple Nemesis, donc il joue pas avant ses mobs, et c'est perdu. Bon, Sambicep qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis, malheureusement. C'était pas super super bien draft, mais c'est comme ça. Après, c'est le problème de jouer d'Eclipse CC Exodia, hein, c'est que t'as rarement besoin de t'adapter, tu vois. T'es souvent amené à jouer les mêmes 6 mobs toutes les games, et à part adapter ton last pick, y a pas grand chose qui se passe, donc forcément. Quand t'as des mobs corps de ta team qui sont pré-ban, bah, ça te met dans des situations que t'as pas l'habitude d'appréhender. Et forcément, bah, ça mène à des petites erreurs de draft, hein, comme on a vu, premier match de Glorious, ou là, deuxième match avec Sambicep. Bon, ce coup-ci, c'est Nicer-Smicer contre Pafix. Les deux ont tendance à jouer plutôt Bruiser, donc peut-être que ça va être un match où Nicer-Smicer va pouvoir s'exprimer. Pré-ban Julian, pré-ban Eleanor, il lui first pick son Chandra. Très bien. Comment Pafix répond? Est-ce qu'il prend directement la Vanessa ou pas? Ok. Sagar Kovarsi. Il prend pas encore le lead speed. Peut-être qu'il se laisse l'option de pouvoir varier son lead speed plus tard. Donc Nicer-Smicer qui prend immédiatement son Valantis. Très résilient, voilà. Valantis plus Verde en anti-Sagar, c'est pas un mauvais pick. Je pense qu'il part du principe en fait qu'il va d'office ban le Tianlang de Pafix. Pafix il prend Tianlang plus Mewang, c'est pas horrible, c'est pas horrible. La petite Sekhmet pour avoir un contest outspeed, côté Nicer-Smicer, c'est bien également. Qu'est-ce qu'il choisit de pick en last? Woussa. En fait, c'est son Woussa. Logiquement, son Woussa, s'il est bien runé, il est censé être plus rapide que tous les mobs en face de Pafix. Donc en vrai, c'est une très bonne idée parce que même s'il laisse le Sagar, bah c'est pas grave en fait. Il met son S3, Sagar strip un mob, mais derrière, t'as trois mobs qui sont pas stream. Enfin, qui sont pas strip, qui ont encore trois tours de wheel. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Il ban forcément Tianlang là, non? Vu sa draft. Et côté Pafix, t'as envie de ban quoi? Plutôt Woussa, hein. Ok, parce qu'il se dit que. En fait, il sait que Tianlang est force ban, donc il sait que son show va passer la draft, et le seul truc qui peut counter à peu près le show, c'est la sustain. Le show, normalement, devrait être menaçant ici. Après, de là à se demander est-ce que show était mieux que Camille, je sais pas. Parce qu'il a pas de CC comparé à Camille, hein. Et il va y avoir le cycling du Verde. Toujours dur à dire, hein. Donc il met les debuffs. Et bah, il va cycler comme un goré. Hein. Là normalement, Pafix va pas trop jouer. Je sais pas trop quoi en penser du show. Hein. Mais là en fait, Nicer-Smicer, il a puni le fait que Pafix dans ses 4 premiers mobs avait pris aucun contest speed, aucun lead speed. Donc ouais. Et il va avoir tellement de debuffs entre Neftis, Chandra, plus Valanti, je suis pas sûr que show fasse le taf. Show c'est un peu copium, je trouve. Hein. Et là, je comprends pas pourquoi il est allé focus Neftis Sekhmet plutôt que Verdeil directement. Parce que certes, Verdeil peut pas gérer le show, mais Verdeil va donner suffisamment de tempo à sa compo pour que tous ses autres mobs puissent le faire, tu vois. Donc, avec le sort 2, il passe à travers le Hug. Ouais, super, trop bien. Mais là où il joue un show, il aurait pu prendre une Camille, sustain ses alliés. Ouais, je suis vraiment pas fan. Hein. En fait, il a pas pris assez de contest outspeed et même Nicer-Smicer a pu l'outspeed grâce à ça. Non, c'est fini, gros. Il peut pas gérer là. Il peut pas gérer, même si son show a un bon set. Je pense que c'était pas. En fait, show, ça peut facilement clean up une game, mais pas genre si toute ta team ne joue pas, tu vois. Ça peut pas 1v4 à 100-0 les compos adverses. Mais genre, généralement, si t'as pu mettre un peu de dégâts avant, ton show peut clean up s'il reste 2-3 mobs, tu vois. Sur des procs ou quoi, ça peut le faire. Mais là, bah, toute la team de Papix est mort. Il reste quasiment tous les mobs de Nicer-Smicer en vie. Il y a le Valantis qui va mettre des bons dégâts.
Beaucoup de debuffs, t'as le Chandra qui fait cycler, le Verde qui fait cycler. Je sais pas, moi je pense que. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Pour moi, Pafix a fait une erreur, il a pas pris assez de contest speed. Il aurait juste dû répondre par du Vanessa. Bah Vanessa Sagar quoi. En plus, ouais, je sais pas. C'était trop passif en fait, ça drape, trop passif. Bon, Nicer Smicer qui gagne la première game. Deuxième game, pré-ban Tianlong, pré-ban Valantis. Et là, ça va pas être la même. Parce que là, Pafix, il a accès à son Julian. Et ça, c'est terrifiant. Il prend directement Sekhmet, Mei Wang contre Sagar, Vanessa. Ok. Il fait Vanessa Eleanor. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Hein. Si tu regardes le début de draft, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Hein. Le Minato est très copium. Il est beaucoup trop tôt dans la draft. Pour moi, là, il peut prendre directement Julian et une sustain, tu vois. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être Julian Riley. Ouais, bah ça marche très bien aussi, Gelnir Julian. Il laisse le poney et il a Permastack, il va sustain tous les tours. Là, il se dit qu'il banne le last et qu'il est quand même plutôt pas mal. Après, le last, c'est Ember. Ember qui peut soit se faire reset, soit se faire one tap. Est-ce que tu bannes pas Minato là? Après, c'est dommage parce qu'au final, tu bannes Minato. Ok. Ok, Pafix a anticipé le ban de Nicer Smicer. Et du coup, il s'est dit, bah, quitte à me faire ban mon Gelnir, autant ban son Minato, laisser sa Ember. Au moins, je pourrais la reset. Je pense, hein, c'est ça qu'il fait. Hein. Ok, il préfère reset le Sagar. Il a vraiment pas peur de la Ember là? Ah ouais! On est d'accord, il n'y a pas besoin de cleanse. Et il le fait quand même. Ok. Nice proc. Est-ce qu'il se retransforme pour prendre le focus? Ok. Et il veut bénéficier vraiment du passif maximal d'Eleanor. Donc là, il a buff glancing plus buff anti-crit plus le passif d'Eleanor. Il y a vraiment très très peu de chances de crit à ce stade-là. Breakdev sur la Sekhmet. Ok. Il hug la Sekhmet. Intéressant. Il met un petit stun d'Esper là-dessus. Résistant sur la Eleanor, on sait probablement une Eleanor à 100% de raise. Combien de dégâts il met là sur sort 2? Ok, en vrai, il met des bons dégâts sur le Chandra. Est-ce qu'il arrive à stun la Eleanor? C'est un peu game changer. Il la stun et il la tue pas. Alors, ça, c'est lucky, les gars. Ça, c'est lucky parce que. En vrai, vu la quantité d'HP qu'elle avait, si elle mourait, elle revenait à la vie via le passif Vanessa. Elle cleansait toute sa team, il était très très bien. Quoi? Non. Non. Bah non, c'est un misplay ça. Fallait. Et pourquoi il est pas allé last hit le Chandra? Je comprends pas. Ok, ça proc encore côté pas fixe, unlucky. Ouais. Ok. Bah, elle a servi à rien, ça, Ember. J'ai pas compris pourquoi il a voulu mettre l'antil. Il pouvait juste last hit. Bon, après, on va pas se mentir. Pafix a plus de proc. Pafix a la réussite avec la Eleanor là, qui pixel HP. Je pense honnêtement que la draft de Nicer Smicer était pas mal là pour le coup. Elle était vraiment pas mal. Juste, bah, il a un peu manqué de réussite. Ça s'est pas super bien goupillé. Mais de toute façon, Ember contre Julian qui se cleanse tous les. Ouais, bon, allez. Allez, n'en parlons pas davantage. Il a eu beaucoup, beaucoup de réussite. Un 1 du coup. Pour l'instant, Nicer Smicer qui est le joueur régu. Raxes contre Tito. Je pense que c'est le match-up le plus compliqué honnêtement de la journée. Alors Tito me disait que contre Raxes, il était pas trop inquiet parce que c'est un peu un OTP Cliff CC. Du coup, pas trop inquiet dans le sens il sait à quoi s'attendre comme gameplay. On va voir comment ça se goupille. Pré-ban QD, pré-ban Janna. Il prend immédiatement le contest outspeed pour empêcher Raxxas de pouvoir le cliff CC trop facilement. Ça prend immédiatement le Moor et le Sagar. Tito qui répond avec Oliver et Gang. Ok. Donc le Egang anti-Moor Swift, intéressant. Et là ça prend Smicer et Junoe. Et là tu vois je me dis à la place de Tito, est-ce que tu prends pas genre deux gros bruiseurs feu? Genre Masha Mei Wang, un truc comme ça?
préfère prendre Masha plus un CC, sachant qu'il a que un stripper AOE. Je suis pas giga fan du Okeanos, honnêtement. Je pense que moi j'aurais pris Masha plus mes Wang. En me disant que les deux sont très durs à passer, et que même si on banne ça, bah tu sais qu'il y a minimum un mob qui est pas en wheal, donc tu pourras taper dessus. Je sais pas. Zibala à la speak, va y avoir beaucoup beaucoup de sustain. Je pense que t'es obligé de ban Zibala, non? Zibala est terrifiant là. Tellement de sustain, Zibala plus Smiter. Mais là, tu vois, si t'avais pris Mei Wang, tu serais forcément parti du principe que tu bannes le last pick, tu vois. Mais là, comme il n'a pas pris Mei Wang et qu'il a Okeanos, il peut se dire aussi, bah, il y a un monde où je me fais cliff CC. Et si jamais il me banne ça ou ça, enfin, si jamais il me banne Egang, est-ce que je vais pouvoir cesser les mobs vents, tu vois? Ouais, ça banne le Egang, ok. Et ça banne Moor. Ouais, bah là, Zibala plus Smicer, s'il y a des résists ou quoi, ça peut être chaud. Après, normalement, Oliver est censé être très très fort s'il arrive à passer le premier tour. Et tu vois là, hop. Et c'est un Zibala en Vio, hein. On voit la speed, c'est Zibala Vio. Là, il doit aller reset le Zibala, il a pas le choix, non? Ou tu mets la bite. Nice proc. Du coup, il n'y a pas le strip de la Juno pour aller cesser la Masha. Là, tu strip Masha, t'as gagné. Strip Masha, mets la bombe sur Masha, t'as gagné. Ok, c'est un troller. C'est littéralement un troller. Ah, what did you do? Bon, résistance, résistance, ça c'est très lucky de la part de Tito. Très lucky de la part de Tito. Ouais, bah là. Ok, encore un proc de la Masha. Bah là, c'est. Raxa, c'est bien, hein, normalement. Malgré le fait que Tito ait eu quand même un peu de réussite T1. Il est back to full life. Ouais, non, non, pour moi, fallait juste prendre Masha. Masha Mei Wang, ban le last pick. Et le mec aurait été obligé de ban un de T2 en fait. Et t'aurais eu quand même le first pick, t'aurais eu quand même le premier tour, sauf que là du coup t'aurais eu accès au Egang, t'aurais pu cesser deux mobs à l'open en tuer un autre avec ton mob bruiser. Et en fait comme tu sais qu'il joue un Moor en Swift, bah Moor en Swift dans ce genre de setup c'est pas si important tu vois. Si t'es à peu près sûr que l'adversaire te laisse le premier tour via Oliver et Shear. Bon, il a l'air quand même de bien s'en sortir, vu qu'il y a eu bah, quelques résists hein, à droite à gauche. Là, encore une fois, hein, s'il mettait les dots, il n'était pas trop mal. Hein. Ouais, il proc encore. Ouais, en vrai, Tito a eu beaucoup de chance sur celle-là. Il n'était pas censé la gagner, je pense. Deuxième match. On va voir comment ça rebondit de part et d'autre. T'aimes bien Zibala, Vio? Ouais, je trouve que c'est bien Zibalavio. Misplayed a bit this one, but still got unlucky. Yeah, he looks at you for sure. He looks at you. His last draft rotation was bad. Qu'est-ce que ça pré-ban ce coup-ci? Oliver, ok, Lee 33 et Bella. Donc là, ça veut dire que ce coup-ci, Rakdos, il va avoir accès à son Moor QD. Ouais. Peut-être qu'à la place de Tito, j'aurais pas pré-ban la Bella. J'aurais peut-être pré-ban le Moor ou le Escher. Mais on va voir. On va voir c'est quoi son plan. Peut-être qu'il a prévu quelque chose. Chandra, Diana. Ah, d'accord. Il va jouer sale avec du Ragdoll et Leonor, c'est ça? Si jamais Rakdos veut cliff CC. Ouais, Moor Swift, QD. Donc là, il peut prendre de la CMA, il peut prendre du Ragdoll, il peut prendre Eleanor, il peut prendre plein de trucs. Là, il a vraiment plein d'LD qui sont forts dans ce genre de situation. Non, pas Fengyan, c'est un troller. Voilà, Ragdoll CMA, très très fort contre la première rotation de Rak'Saz. Parce que bah, il a un buffer, un Moor en Swift qui va pas apporter tant de CC, et QD qui va plus le heal qu'autre chose avec CMA.
Dernière rotation de Raxaz, j'aime beaucoup. Federica Duman, c'est pas mauvais. Le Laspik Jana, assez intéressant pour lui foutre le doute, en mode est-ce que je te banne le Eschir ou pas? Est-ce que Raxaz a envie de prendre le 50-50? On sait pas. Je pense que c'est un bluff, hein. Tito va probablement ban la Federica ou la Duman. Peut-être Duman, en se disant qu'il va lui laisser la Diana, peut-être que Diana peut tanker la Federica à l'open, on va voir. C'est une Diana triple HP, hein, très tanky, enfin ou HP HP to crit. Donc ça banne Duman, ça banne Janna parce que Raxaz veut pas prendre le risque, il a raison. Il outspeed. Est-ce qu'il arrive à strip? Il strip un buff sur 3. Donc là déjà, Tito a énormément de chatoun, comme on dit. Là, bah, il peut, à part faire un sort 1, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, il peut juste shield, non? Ok, il peut hug du coup. Ouais. Alors là, en gros, il pensait qu'avec le boost ATB de 30% de Chandra, plus bah, les 100% ATB de Diana, il pensait qu'il allait jouer avant la Federica. Et en vrai, quand tu regardes l'ATB de la Federica, là, elle est genre à 95%. Donc tu récupères plus d'ATB qu'elle avec le S2 Diana, plus les 30%. C'est vrai que normalement, ça cut pas. Mais c'était quand même un peu greedy dans le sens où. Ok. Enfin, en vrai, je trouve que c'était quand même un peu greedy. C'était quand même un peu greedy parce que, ok, elle cut pas avant, mais ça veut dire qu'elle va quand même pouvoir taper après et par exemple one-shot le ragdoll, tu vois. Je pense que j'aurais mis le hug quand même quelque part. En fait, dans le doute, j'aurais quand même mis le hug genre sur le ragdoll, comme ça, même si Diana pouvait cut et se retransformer en forme poney, au moins ça forçait le focus sur la Diana qui du coup pouvait tanker, tu vois. Zero dev, zero HP, and Cassandra. That cucked him. Yeah. Yeah, he didn't expect that much attack bar. Mais je pense quand même que le plus safe c'était de faire un sort 2 pour tanker, hein, mais bon. On va dire que c'était le safe play. Ouais. Il y avait peu de chances que ça arrive. Parce que généralement elles prennent pas autant d'ATB. C'est quand même un boost 25 ou 30% hein, Chandra, c'est huge. Mais ouais, pour le coup, elle était très très bien runée, la Cassandra de Raxaz. Ah, parce qu'il avait eu de la chatte à l'open, hein. Résiste 3 mobs sur 4 avec le Moor. Ah, il avait eu de la réussite, hein, mais là le play lui enterre la game. Hein. S3, là, pas le choix. Ok. Il sait qu'il y a le S2 de Cassandra de dispo. Il trigger directement la Cassandra, ouais. Il va tenter de strip stun. Il n'arrive pas à stun malheureusement. Et là, le seul truc que doit tester Raxaz, c'est S2 sur Chandra. Ouais. En vrai, c'est dommage, hein, parce que quand tu vois à quel point c'est close, alors qu'il y a eu un gros misplay T1, tu vois. Bon, ouais, après je dis ça, mais c'est aussi parce qu'il y a eu 3 résists à l'open. Non, en fait, j'ai rien dit. Non, les drafts étaient 50-50. C'est juste que il y a eu beaucoup de réussite côté Tito à l'open et le misplay, malheureusement. Non, le draft était 50-50 parce que la dernière rotation de Raxaz était vraiment bonne. Hein. La Federica Duman dans ce genre de setup, ça fait super super peur. Et là, il va venir à bout de la CME et je pense pas Crackdoll plus 1v2. Il y a le passif de Moor et tout. Normalement, il est censé pouvoir s'en sortir. Ah, dur, 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 dur. Dur. Bah après Tito qui prend quand même une win hein, contre Raxaz. Raxaz c'est un des favoris de la compétition. C'est un des plus gros comptes de la compétition. Donc c'était quand même. Ça va, tu vois. En fait c'est juste. Je comprends. Parce qu'on en a parlé un peu. Je comprends que mentalement ça soit dur pour lui parce que la première, il fait une légère erreur de draft, mais il la Luxac sur des procs. Donc en gros, celle qui gagne, c'est pas vraiment mérité. Celle qui perd, c'est parce qu'il fait un misplay alors que sa draft était. Enfin. La draft était, on va dire. Correct, juste il a eu de la chance et derrière il throw, tu vois. Donc c'est sûr que mentalement c'est pas facile. Mentalement c'est chiant. C'est chiant.
Et on sait à quel point notre Tito aime Mental Boom rapidement. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Même si c'est un 1-1, je comprends que à ce moment-là, pour lui, ça soit dur. Match suivant, Glorious contre Pafix. Glorious va full cleave. Pafix va jouer Bruiser. On va voir comment ça se passe. Donc pré-ban Julian, pré-ban Shan. Il adore First Pick son Chandra, vraiment, genre. Aïe 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 aïe. Glory qui part en cliff chez ses classiques. Alors j'ai peur que Sagar ça ait pas assez de dégâts hein, contre Pafix. Bah, je pense que c'est parce qu'il veut préparer la rota Tianlang. Riley Sekhmet, j'aime beaucoup la transit Pafix là. Elle est sympa. Bah, en vrai, Riley contre un opening Mursagar où ça va manquer de dégâts. C'est pas un mauvais pick. Bolverk immédiatement. Ouais, ok. Bolverk contre Riley, mais Bolverk c'est un peu copium. Comme unité, moi je suis pas giga fan de Bolverk. Lui non plus. Oh non, il l'enlève au dernier moment et il prend ses doubles soins. Bon, vas-y. Allez, on enchaîne. Pafix, il punit bien, il prend la Lucia, il banne le seul CC. Et c'est gagné. Bon, Glorious qui s'est pris les pieds dans le tapis, malheureusement. Allez, deuxième draft. Mental reset. Sauf que ce coup-ci, Pafix, il a accès à son Julian. Donc là, t'as envie de chier. De chier du sang. First pick Vanessa contre un first. Pré-ban Vanessa contre un pré-ban Shibu. Ok. Il prend son Mur immédiatement. Pafix reprend également son Chandra et son Contest Outspeed. Glorious qui part sur Shan. Il hésite à prendre le Tianlang. Il prend un Ren à la place du Shan. Intéressant. Pafix répond par Camille Riley. Ok, très résilient. Alors là, pour le coup, la Cassandra Dark peut être chiante. Mais bah après, le truc, c'est que t'as quand même envie de ban Sekhprout. Ah, j'aime pas. Non, j'aime pas la compo de Glorious, cette dernière rotation. Hein. Parce qu'il y a un Contest Outspeed avec Sekhmet. Et derrière, ouais, Lucia est vraiment casse-burn là. Il hein. Y a beaucoup, beaucoup de sustain. Donc, il banne le lead. Logiquement, il va Outspeed avec Sekhprout. Qu'est-ce que tu strip? Qu'est-ce que tu essayes de strip reset? Shan ou les strippers? Shan, ok. Là, il va faire un petit sort 2 pour avoir la menace. Forcer le focus. Il arrive pas à mettre le CC sur Shan. Il met l'Immu. Ok. Ouais, il veut pas claquer son spell. Je comprends. Il arrive à avoir les deux strips sur 3 into le taunt du Sagar. Bah, il est pas trop mal là, Glorious, non? En fait, ça dépend juste. Ah, il arrive à l'app, il arrive à mettre le glancing, du coup il n'y a pas de CC côté Ren. Ouais, en vrai, il y a le glancing partout, là c'est fini, il va pas réussir à CC, je pense. Hein. Faudrait que le Shan proc tous les tours. Il arrive à mettre un petit CC avec glancing, ok. Il re-reset le Shan, il prend vraiment pas de risque. Nice proc de la Riley. Et à ce stade-là, je pense que c'est fini. Il va aller clean up le Shan. Break debuff attaque, même si sa Camille elle est auto-crit, elle va forcément faire beaucoup de dégâts. Et là, en vrai, là c'est compliqué quand même pour Glorious de la gagner. Hein. Faudrait qu'il proc tous les tours avec son Sagar, ce qu'il est en train de faire. Taunt élément opposé. Il est mu. Ouais, il a raison. Nice proc. Est-ce qu'il le fait? Ok. Moi, je l'aurais peut-être fait quand même. Je l'aurais peut-être fait parce qu'il y a le silence du Ren qui est en train de revenir. Il y a potentiellement le reset du CP. Pour moi, il n'y a pas grand intérêt de faire un sort 1 là. Bah, je veux dire, il n'y a que des mobs à reset. Donc, autant cleanse les glancing et remettre la team full life quoi. Voilà, ouais, il y a eu un petit misplay côté Pafix. Ça va permettre du coup à Glorious de venir à bout de la Riley, pardon. Et comme il a eu beaucoup de procs sur son Sagar et sur son CP, il arrive à récupérer de la tempo grâce à ça. Alors normalement la Camille est toujours menaçante, il n'y a pas de sustain et tout, elle est full life. Bah, il proc encore sur son Sagar, hein. Il a vraiment beaucoup proc le Père Glorious. Le Ren qui fait mal en vrai.
il réussit le CC sur élément opposé, il proc, ça c'est huge. Il continue d'aller sur Sagar. Ok, c'est original. Il se dit que si Sagar est mort, normalement, Camille a de grandes chances de solo. Il continue de proc. Je pense que le Sagar a proc genre 5 tours d'affilée. Proc Vio. Et alors là, bah énorme misplay de la part de Glorious, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il fait S3 là-dessus et pas sur Sekhmet, qui a probablement ses spells? Ça sert à quoi de reset une Camille? What the fuck? Ouais, bon, Glorious, il a clairement throw. Du coup, ça va reset le CP. Il perd complètement sa tempo là-dessus. Le Chandra est mort. Il continue d'aller taper le petit Père Sagar. Il continue de proc tous les tours et de taunt élément opposé. Gros, c'est n'importe quoi. Hein. Oh! Oh là là, la RNG de Glorious sur ce match-là, c'est indécent. Tu sais que là, le match devrait vraiment pas être aussi close. Bon, Patix a fait une erreur avec sa Ryle, mais Glorious a eu tellement de réussite sur les procs. Ok, il commence enfin un proc avec sa Camille. Là, normalement, Camille est censée gagner 1v2. Hein. Après, on va voir, hein, peut-être que le shampoing de... Eh non, parce que tu vois, la Camille est plus rapide que le shampoing. La Camille lape le shampoing. Si shampoing lapait la Camille, shampoing pourrait la gérer. Mais là, comme c'est pas le cas, je pense qu'il a très très peu de chances de la gagner. Petit sort 3, ça met des gros dégâts à ce stade-là. Il crit, il la cleanse. Et le problème, c'est que la Camille rejoue avant le shampoing. Hein. Ça, c'est dramatique. Hein. Je vous jure que s'il a le shampoing joué avant la Camille, je pense que Glorious l'a gagné. Mais bon, il l'a gagné avec beaucoup beaucoup d'RNG quoi. Est-ce qu'il proc? Dommage, un proc il pouvait la gagner encore. Ok. Bah écoute, pas fixe, 2-0 sur le petit père Glorious. Petite erreur de draft sur la première game. Deuxième draft, je pense que c'était un petit peu plus gagnable quand même côté Glorious, mais ouais, compliqué. Match suivant du coup, Nicer-Smicer contre Rak'Saz. Alors Nicer-Smicer, on a vu lors de son premier match qu'il galère quand même pas mal pour contrer les cliffs CC. Rak'Saz joue cliffs CC. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais s'il fait les mêmes drafts que contre son premier adversaire, je suis pas sûr qu'il s'en sorte. Préban QD, parce qu'évidemment bah, c'est intankable QD. Et Préban Chandra côté Rak'Saz, c'est original. Ils veulent forcer à prendre un autre leader kill de speed. Il va faire quoi? Il va faire de la. Ah non, pas Vanessa First Pick. Valantis, genre Valantis et Lenoa? Ah ouais, en mode full revenge, avec potentiellement un petit Verdi triple revenge qui traîne. Je pense qu'il veut multiplier les occurrences RNG pour se dire que sur un revenge ou une résist du poney, ça gagne. Rak'Saz commit cliff CC. Alors là, le Escheat, j'aime pas du tout. Escheat est vraiment pas bon ici. Il n'y a aucun contest au speed côté Nicer-Smicer. Tu n'as absolument pas besoin de la speed du Escheat. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Diana Mai Wang, c'est pas horrible. Alors je pense qu'à la place de Diana, j'aurais pris plutôt un Verdi triple revenge, vu le début de sa draft. Derrière, ça prend Masha. Masha est bien là. Masha est cool. Et Cassandra feu, encore une fois. Ouais, bah il y a Lenoa, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je choisis de prendre la Nicer-Smicer? Un Kinky, hein? En vrai, Kinky est trop bien là. Kinky solo quasiment. Eh ouais, Amdou, tu préfères Luxac, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Genre, à ce stade-là, Rak'Saz avait perdu à la draft. D'accord? À ce stade-là, Rak'Saz avait perdu à la draft. Il avait juste à prendre un Kinky ou un truc qui se fait pas tuer par ces trucs-là facilement. Mais même une Camille, hein, même une Camille, no joke, Camille, là, c'est gagné. Quasiment. Et il prend un vieux Amdouat quoi. Bah ouais, bah du coup il laisse le Amdouat, il banne soit Eleanor, soit Valantis et il a gagné. Hein. Ouais. Bah oui. Mais bon, genre là c'est juste Nicer-Smicer qui int. Hein. Je pense que tu le fais quand même, non? Ça tu rajoutes un.
un buff que Amdouat a à strip avant de pouvoir CC. Ah bah le Amdouat cut même pas avec double gain ATB. Tu vas sur qui? Sur Diana. Tu vas sur Diana. Comme il est super rapide, il va pouvoir rejouer avant la Diana. Est-ce qu'il arrive à stun avec son Amdouat? Il arrive à slow, 2 mobs sur 3. Il redonne le tour au. Ok, il sait que la Diana ne cut pas malgré le S1 Moor. Il a tué la Diana. Il n'y a plus qu'à aller sur le Mei Wang. Ouais, bah là, enfin, je suis désolé. C'est juste que. Il savait pas quoi pick, mais il y avait tellement mieux à pick que Amdouat. Tellement mieux. Dommage. Ok, c'est quand même vachement close. Il y a l'air d'y avoir des petits stuns d'espère quand même. Bon, bah là, voilà. Il tue le Mei Wang, c'est fini. Masha se transforme instantanément en World Boss. Il y a encore le Shir qui est en vie, donc il peut pas. En fait, le problème de Masha, c'est que comme il y a le Will, c'est tricky à aller focus une Masha, tu vois. Donc, t'es obligé d'aller taper le reste avant de taper la Masha. Et. Bah, il y avait trop, il y avait trop. Mais le last pick Amdouat était vraiment trop trop nul. Hein. Trop trop nul. C'est dommage, hein, parce que Rakdos avait fait une grosse erreur de draft lui aussi. En deuxième rotation. Il a pas puni. Il a pas puni et derrière il a int plus que draft a réussi à int. Plus que Rakdos a réussi à int sur la première rotation. Donc dommage, dommage. Pré-ban Escir. Pour moi, il n'y a pas de pré-ban Escir à faire. Hein. Si tu ne contestes pas outspeed, Escir sert à rien. Mais vas-y, carré. Et pré-ban Eleanor. Ok, donc ce coup-ci, il a accès à Moor QD. Nicer Smicer nous fait quoi là? Un petit Valentis, c'est ce qu'il prend, genre un Verdeil ou une Imu, je sais pas. Il a l'air en tout cas de beaucoup réfléchir, ce qui est très mauvais signe. Robo Vent. Donc c'est quoi? C'est un Robo Vent triple Némésis en anti-Moor Sweep du coup, vu qu'il a ban le Escir. C'est probablement du triple Némésis ou du double Némésis Will, on est d'accord. Hein. Sinon ça fait pas beaucoup de sens. Même Minato c'était mieux. Ouais. C'est nul Elenoa? Non, ça va. CP Juno, bah c'est pas mal hein, contre le premier contre la rotation de Nicer Smicer, j'aime bien. Il prend Cassandra, il lock pas. Cassandra Mei Wang. Ok. Ouais, en vrai ça peut le faire, mais je pense que contre quelqu'un qui a la qualité de rune de Rakdos, ça, Mei Wang, ça va pas être suffisant. On va voir, hein. Qu'est-ce qu'il aspic le Rakdos? Sonia, ok. Sonia, ban mob feu. Il se dit comme ça, il peut éviter de prendre les risques, one shot Valentis ou one shot robot, et il est bien. Probablement un ban voilà, d'un des deux mobs feu. Ça ban QD, ça laisse la Sonia. Bah. En fait, vu qu'on sait que c'est probablement un robot vent, et on va le voir dès le T1 avec les ATB. Voilà, donc en gros, tu vois que le robot il a moins d'ATB que le Valentis. Ça veut dire que le robot il est pas en Swift. S'il est pas en Swift, il y a très peu de chances que Nicer Smicer ait pris un robot vieux ou d'Esper. Je veux dire, ça a aucun sens dans la compo. Donc c'est forcément un robot en Némésis. Si c'est un robot en Némésis, bah, il est sûr de pouvoir le tuer avec sa Sonia. Donc il le tue. Le Valentis revenge pas avec les 40%. Il se fait clip CC. Et il n'y a pas trop de game normalement. Tu vas sur Mei Wang, là. Tu mets tout dans le pot du Mei Wang. Et dès que Mei Wang est mort, Juno est un world boss. 2K à l'open, pas mal. Elle arrive en plus de ça à lap le Mei Wang, très rapide. Là, le Mei Wang est stacké. Il proc à l'open, c'est la spéciale. Il n'arrive pas à mettre les debuffs. Il a raison, là, faut juste tout mettre dans le Mei Wang. S2. Le break def sur élément opposé qui va le mettre très très bien. Sonia va rejouer. Ah non, Sonia. Bah là, ça dépend s'il a. Si, il est en Despair ou il est en Vio, son Chandra? Ok, il est probablement en Despair, sinon il n'aurait pas testé ça. Vu qu'il est plus lent et qu'il est élément opposé, il a littéralement aucune chance de poser son stun, à part un proc Despair, vu que le Despair ignore la res. Et c'est un Chandra anti-Sonia. Ok,
Ah bah dis donc. Bon, en vrai, il s'en fout, hein, parce que là, il a gagné. Hein. Là, il sait que la Juno rejoue avant le Mei Wang. Il sait qu'une fois que le Mei Wang est mort, sa Juno ne peut littéralement plus perdre. Donc, on pourrait dire que c'est un misplay, ou on pourrait juste dire qu'il est en train de collecter la data, tu vois. Moi, je pense qu'il collecte juste la data. Il se dit dans tous les cas, c'est gagné. Bah les couilles. Et on peut avancer. Donc Raxaz 2-0 contre Nicer Smicer. Bien joué à lui. Bah, on parlait de style tout à l'heure. On parlait du fait que sur le premier BO, Nicer Smicer a pas été très convaincant en anti-cliff CC. Bah, ça se concrétise. Hein. Ça se concrétise. Et donc, dernier match de la soirée, je crois. Tito contre Sam Bicep. Donc, Sam Bicep, full cliff CC. Et bah, Tito, c'est Tito, quoi. Il a un compte assez complet. On va voir comment ça se goupille. Pas ce match-là. Ouais, je sais, il fait mal, mais il faut le regarder. Il faut analyser. Préban Xiana contre un préban Ragdoll. Ok. Donc, Sam Bicep préban un contest outspeed. Hein, Ragdoll, c'est un contest outspeed. Et Tito préban un de ses CC damage dealer. Et là, en vrai, c'est un peu la merde parce que. En fait, j'explique pourquoi Tito veut préban la Xiana. Il veut préban la Xiana parce que c'est un de ses seuls CC anti-bruiser que Sam Bicep joue actuellement. Sachant que les autres, c'est Maximilian et Neftis. Et du coup, il s'est dit, si je banne la Xiana, peut-être que je peux le tanker, tu vois, avec du Ragdoll, l'Eleanor, des conneries comme ça. Sauf que là, du coup, Sam Bicep, en bannant Ragdoll, non seulement il lui banne un contest outspeed, mais il lui banne aussi un des bruisers qui pourrait l'aider à tanker. Donc, il me semble que là, c'était pas du tout le plan de jeu de Tito à ce moment-là. Et qu'il avait prévu, lui, que Sam Bicep allait lui ban Escheer. Et donc, qu'il pourrait jouer Bruiser un peu plus lent. Tu vois? Pour ça qu'il part quand même là-dessus. Et là, je pense que ça. Ouais, ça l'arrange pas. Alors, je pense que le last pick, enfin, le first pick Vanessa Camille en réponse à ça, c'est pas mauvais. Il a eu raison de changer. Parce que je pense vraiment que Chandra et Eleanor sans Ragdoll, ça aurait pas suffi à tanker. Là, il peut prendre un contest outspeed, il a accès à la Sekhmet, il a la Etna. Bon, je sais pas ce qu'il a runé, mais je crois qu'il a une Sekhmet. Veromos, qui est pas mauvais. Je pense que je prendrais quand même un contest. Ah non, mais Etna contre Egang. Non. Sekhmet est 100 fois mieux. Sekhmet est 100 fois mieux. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu, c'est bien. C'est bien, il l'a vu. Parce qu'évidemment, bah, Etna, si tout est en will, le seul truc que tu vas faire, c'est donner de la TB à l'adversaire. Hein. C'est pas vraiment une stratégie super fiable de se dire que tu peux one shot le Maximilian sur S2 S3, tu vois. On sait jamais, ça se trouve c'est un Maximilian Bruiser et ça marchera pas. Donc autant prendre une Sekhmet et juste reset. Et il prend un Robo Vent. Ok, donc c'est probablement un ban Escheer du coup, vu qu'il prend Robo Vent. Il se dit qu'il n'y a pas de mob en Swift à part Escheer. Il ban Escheer. Et il se dit que même s'il y a un ban sur la Vanessa, Robo Vent devrait outspeed. Ce qui n'est pas un mauvais choix, hein, s'il est en Swift, il a raison. Donc ça banne le Escheer, ça banne le Robo Vent. Tito va pouvoir reset un mob à l'open. Là, en vrai, il y a beaucoup de réduc ATB côté Sam Bicep, mais je pense que Tito est pas mal, hein, s'il arrive à reset le Maximilian ou quoi. Je pense qu'il est vraiment fine. Il reset le Maxi, et dans tous les cas, en fait, il se dit. Même si le Maxi est pas reset, bah, il va quand même jouer avant à cause de Egang, et du coup il va. Moi j'aurai le will, donc il pourra pas m'emmerder sur un S3. Donc c'était malin en vrai de focus le Maximilian. Bah il va tout mettre sur le Maxi, non? Ok, il veut faire jouer le Liesel avant le strip, c'est malin aussi. C'est malin aussi. Il va perdre un petit peu de dégâts, mais au moins il se dit que le CC est moins embêtant. Ça strip. Ça réduit KTB, ça stun la 2 mobs sur 4, ça c'est pas de chance. Liesel rejoue. Et en vrai, là le problème c'est que la Camille à chaque fois qu'elle se clean, ça va donner 20% ATB à Sam Bicep. Hein. C'est pour ça que la Sam Bicep il va taper la Camille. Alors là, normalement, Veromos joue, c'est pas mal. Là, ouais. Mais en fait, le problème c'est que Veromos cleans, Camille cleans, ça donne beaucoup d'ATB à son Egang. Là, il va sur Liesel, ouais, parce qu'il voit que Liesel a déjà proc.
et qu'il a bientôt ses CD. Le stun d'Esper sur Véromo, c'est tellement clutch là. Et en fait, Egang counter plutôt bien Véromos, hein. Egang, c'est vraiment pas déconnant contre Véromos. Hein. Véromos plus Camille, j'entends. Ah, il prend tellement d'ATB. Bah après, il a des proc Vio, hein. Il a clairement des proc Vio, mais il a beaucoup de proc Vio. Ouais. Ah, relou. Relou. Il y a eu beaucoup de proc Vio du Maxi, il y a eu beaucoup de proc Vio du Liesel. Il a pu refaire ses spells beaucoup plus tôt que ce qu'il aurait dû. Je sais pas, ouais. Peut-être que le move c'était plutôt de faire un break dev sur Maxi et essayer de sortir Maxi le plus tôt possible, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, Egank c'est trop fort contre ça, hein. Il a gagné trop d'ATB en fait grâce au Veromos et à la Camille. Legit, il a gagné plus d'ATB que Tito, sauf que bah, la draft de Saint-Bicep était plus offensive que celle de Tito. Alors, préban Tianlang, préban Elenoa, donc comme il n'y a plus le Tianlang, il a accès à son Oliver et son Eshir, ok, pour contester sa speed. Est-ce qu'il prend le Egang? C'est pas mal là, Egang. Les gros doigts, tu connais. Les gros doigts, gros doigts d'If. Elle en est où ma musique là? Yo, la musique. Ok. Du coup, suspense, suspense. Il nous sort Egang ou il nous sort Okeanos à ce stade-là? Il nous sort Okeanos. Ben moi j'aurais pris Egang parce que là Sam Bicep il va probablement prendre Egang. Non? Ok, il part sur double bruiseur feu. Bah ben là. Ouais, hein. Abelio plus Camille, c'est pas. En fait, Abelio, je trouve pas ça insane contre Neftis, honnêtement. Mais Camille, c'est très fort là. Et il se dit qu'il a outspeed, tout n'est pas en wheel côté Sam Bicep, vu qu'il y a Juno et potentiellement Masha qui sont pas en wheel. Donc il va quand même, s'il a outspeed, pouvoir reset des trucs. Il va probablement ban la Xiana. Et moi je pense que j'aurais ban la Neftis là. Je pense, parce que soit il te laisse ça, et tu peux outspeed reset ce truc là. Soit il ban ça. Et tu peux quand même outspeed CC ça, et en vrai, il n'y a pas assez de CC, juste ce truc-là, tu vois. Ce truc-là tout seul, je suis désolé, c'est une réduc ATB, il n'y a pas de slow, réduc ATB machin, tu t'en bats les couilles, hein. Je pense que j'aurais ban Neftis là à sa place, hein. En fait, il a double feu, double O, donc il va jamais ban Masha ou Juno. C'était soit ban Neftis, soit ban Xayah. Moi, je pense que j'aurais ban Neftis en fait, après coup, au vu de sa draft. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, ban Xayah. En fait, c'est juste que pour moi, quitte à avoir une draft où tu vas probablement laisser un des deux faire le spell, je pense que son spell à elle fait moins mal que ce spell-là. Parce que là, tu vois, il a ban Abelio, parce qu'il avait vraiment peur que ce truc-là se fasse ban. Mais imagine, il est sous crack et il ban la Camille. Oui, ban ça, je sais pas, gros. Pour moi, Abelio contre Neftis, c'est pas si fort. C'est vraiment pas si fort. Donc il a outspeed. Il va, j'imagine, reset la Neftis. Reset Neftis, reset Masha? Ah non, bah non. What? C'est vrai qu'il a fait ça hier, mais non, en fait, c'est pas un bon move. Parce que là, regarde, il sait que tous ses mobs jouent. Donc il peut reset Neftis, reset Masha, geler Masha. La Masha peut être reset 2 tours et geler 2 tours. Enfin, et geler plus slow. Ou alors même carrément geler le Moor. Ou genre geler la Masha, reset le Moor. Non, je suis pas fan de ce move. Je suis vraiment pas fan de ce move. En plus, il a un proc à l'open sur son Moor tellement clutch. Là, il va CC le Moor.
Ok, il met pas le CC sur Moore. Ok, elle met son S2. Ouais, mais non. En fait, non. En fait, hier ça m'a pas choqué. Enfin, ça m'a pas sauté aux yeux. Mais là, pour moi, j'aurais 100% reset la Neftis avec le Kano, je pense. Hein. Ok, nice proc encore. Il va. Résistance, ok. Il y a encore un proc sur le Oliver. Il y a beaucoup de proc hein, côté Tito pour l'instant. Ok, la Masha commence à proc. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, ça me choque vraiment pas. Hein. Pas de stun d'Esper sur la Geno. Il fait quoi? Il va last hit le Moor? Why didn't he reset Neftis here? I don't know, man. I don't know. He played Donc il dismount, il va faire un petit rebond tactique avec la Camille. Ah non. Je crois que dans le feu de l'action, il a pas vu qu'il pouvait faire le rebond tactique avec la Camille, là, c'est dommage. Il a pas bien compté. Ah peut-être qu'il était tilté de la game d'avance. Il était sûrement tilté de la game d'avant en le connaissant. Sûrement. Mais là, il loupe des tours précieux. Et là, normalement, Camille peut le faire. Mais c'est tricky. C'est tricky parce qu'il reste beaucoup de mobs en vie. Il va lap avec le slow. Elle est tanky, sa Masha. What the fuck? Il met que du 4000 avec sa Camille à ce stade-là. Bon, le stun sert à rien, hein. Il va sur la Juno, il donne pas mal d'HP. Alors là, moi, pour avoir beaucoup joué Camille, en fait, à ce stade-là, je vous explique ce que je fais. On voit depuis le début de la game que la Neftis, elle est en auto-crit. Moi, à sa place, ce que je fais, c'est que je fais mes S1 sur Juno et je fais mes S2 sur Neftis. Voilà ce que je fais à sa place. En mode, contrôle la Neftis. Tout en allant taper la Juno, parce que je sais que c'est pas la Neftis qui va me taper, enfin, qui va pouvoir me gérer, tu vois. Sa Neftis, elle est en full crit, elle fait pas de dégâts sur Camille, legit. Ouais, là je pense que j'aurais mis des sorts hein, sur Juno. C'est pas de chance, il met pas les slows. Je sais pas combien il a d'AQ sur sa Camille. Il proc encore. Il met pas les slows. Et là, il arrive à full crit et à lap avec la Juno. Et il gère la Camille. Ouais. En vrai, c'est unlucky parce que s'il n'avait pas réussi à full crit, potentiellement il l'appait pas. Tito arrivait à sustain et il pouvait quand même la gagner malgré tout, tu vois. Mais c'est très unlucky, tu vois, cette dernière séquence. Mais pour moi, il avait suffisamment de proc à l'open et une draft suffisamment bonne. S'il la jouait bien, il devait pas perdre. Pour moi, il l'a pas bien joué. Il l'a pas suffisamment bien joué pour dire que c'est un Loxac. Mais bon, comme je t'ai dit, la game d'avant, il y a eu tellement de proc côté Sam Bicep, je pense qu'il était oméga tilté là. Arrivé à la deuxième game, il était oméga tilté. Mais pour moi, il y avait tellement mieux à faire. Tu bannais ça. À l'open, t'allais CC le seul mob qui était. Bah, qui pouvait te CC, tu vois. T'allais reset le seul mob qui pouvait te CC. C'était trop bien, genre. Trop bien. Encore, tu vois. Ouais, non, il l'a mal joué. Il l'a mal joué, il y a rien à dire. Il l'a mal joué. Genre, il mérite de la perdre celle-là. C'est chiant pour la dernière séquence parce que bah, il aurait clairement pu la gagner pour la dernière séquence. Mais ce qui s'est passé en early game, il est pas censé le faire en fait. Il est pas censé le faire. Voilà. Donc on termine avec Tito qui est main dans la main avec moi. Ça fait super plaisir. Je suis quand même pas super content que lui soit numéro 7, moi numéro 8. Je suis désolé, monsieur. Moi, j'étais là avant toi. J'étais à 3 points avant toi. Normalement, je devrais être au-dessus dans le classement. Mais vas-y, tu sais quoi? C'est pas grave. Celle-là, je te la laisse. Je me rattraperai les semaines prochaines. Donc, ouais, on a Raxaz qui fait 5 points. Honnêtement, c'était pas un 5 points très convaincant. C'était pas un 5 points aussi convaincant qu'Obabo. Il a fait des bonnes games, mais voilà. Pafix qui fait 3 wins. Sam Bicep 3 wins et Tito 3 wins. En vrai, c'était assez équilibré, hein. Il y a eu 3 fois un 3 win. Faut croire que c'était une pool qui était assez even en termes de level.
Donc pas mal, pas mal du tout. On espère évidemment semaine prochaine nous rattraper et essayer de. Je dis pas que je vais être dans le top 3. C'est impossible avec mon compte, c'est pas possible. Mais l'objectif, ça serait d'essayer de rester top 8 hein, et puis de se qualifier pour la phase suivante. Voilà. Évidemment, Adri, il a 0 points, mais il peut encore se rattraper, je pense. Il y a 3 sessions. Mais là, j'avoue, 0 points, faut qu'il fasse des 4-2, 5-1 en moyenne, je pense, pour remonter. Parce que là, il a pris un peu de retard. Mais tout est possible, hein, tout est possible. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.